Alors oui, alors tous ils sont tous là et lui, il est sur une étoile, il est par là, il a un truc spécialement devant là. Voilà. Bon, on n'y voit toujours pas plus, mais bon, à l'habitude. Enfin, je sais que vous êtes là, c'est très important. Monsieur le préfet de région, madame la présidente de région, monsieur le recteur, monsieur le président de l'université de Bourgogne, mesdames et messieurs les maires de Dijon Métropole, mesdames et messieurs les élus régionaux, départementaux et municipaux, messieurs et mesdames les présidents des chambres consulaires, monsieur le président de la chambre de commerce et d'industrie Dijon Métropole de Bourgogne, mesdames et messieurs les représentants des autorités civiles et militaires, chers amis, j'ai envie de commencer par vous dire enfin nous voilà réunis. Enfin, voici le temps venu de nous retrouver. Je ne vous cacherai pas le plaisir qui est le mien ici au Zénith avec ma première adjointe, Nathalie Kenders, tous les élus municipaux, mes collègues maires, comme je l'ai dit, et vous tous. Vous êtes nombreux pour reprendre le fil de notre traditionnelle cérémonie des vœux, malheureusement empêchée en 2021 et en 2022. Vous êtes ce soir à peine moins nombreuses que nous l'étions il y a 3 semaines pour la finale de la Coupe du Monde, dans un zénith ici même plein à craquer. Je ressens ce soir, en vous regardant et en ne vous voyant pas, le même enthousiasme et la même ferveur, ou presque. Cela fait assurément chaud au cœur. Mais je vous promets ce soir un scénario moins tragique et une fin beaucoup plus festive. Enfin, inutile d'y revenir, le Covid et ses restrictions sanitaires ont mis à mal notre vie sociale pendant 2 ans. Pas toute notre vie sociale, bien sûr, mais le bouleversement est profond et nous n'avons pas encore fini d'en ressentir les effets. Je veux redire avant toute chose ma plus grande considération pour l'ensemble du personnel soignant, celui de notre CHU de Dijon et de tous nos établissements de santé, et tous les professionnels qui n'en ont pas terminé avec un travail harassant dans des conditions extrêmement difficiles. Certains sont présents ce soir, je les salue chaleureusement, et plus généralement, je veux exprimer bien évidemment ma compassion, notre compassion envers les personnes, les familles qui ont été touchées par cette épidémie, qui n'ont pu accompagner leurs proches, et tout cela nous semble cruel et lointain. Nous en restons un peu hébétés toujours, mais prêts, et c'est une bonne nouvelle, à reprendre le fil de cette convivialité qui nous a tant manqué. Le personnel soignant, en cette fin d'année 2022, ou plutôt en ce début 2023, est avec nos hôpitaux, nous le savons, en très grande tension. Le premier vœu que je formulerai est que nous sachions mieux préserver, voire retrouver, dans une société comme la nôtre, une société avancée, un système de santé à la hauteur de l'enjeu que représente, bien sûr, cet impératif du soin, de l'attention portée aux autres, de la bienveillance à l'échelle d'une grande démocratie humaniste et moderne. Malgré les efforts, malgré le Ségur de la santé, qui a représenté plus de 10 milliards d'euros de soutien et des revalorisations sanitaires salariales, plus exactement pour 1,5 million de personnes, le constat est unanime de partout, du Parlement au Conseil consultatif national d'éthique, eh bien, nous devons le dire, il y a une véritable dégradation des conditions de travail du personnel de santé et des besoins en effectifs qu'il va falloir traiter en profondeur. La Covid, bien sûr, n'a pas créé cette situation, la Covid l'a aggravée et l'a révélée. Partout, nous rencontrons des professionnels épuisés, parfois même découragés, pour lesquels la charge est devenue presque insupportable et qui considèrent qu'ils ne peuvent plus faire leur travail correctement du fait de tensions et d'un système hospitalier au bord de l'asphyxie. Et donc c'est mon premier vœu, pardonnez-moi de commencer par un sujet d'un tel sérieux, mais il me semble qu'il y a là plus qu'un impératif. 2023, je l'espère, sera une année de clairvoyance et d'action sur ce sujet et quelques autres bien sûr. Il me semble qu'il pourrait faire partie de ceux dont notre société pourrait se prévaloir, enfin pour faire consensus. Je préside le conseil de surveillance de l'OTU et je suis très attaché à cette situation et très inquiet. Je salue les représentants du CHU,
la directrice adjointe par intérim et le président de la commission médicale d'établissement. Et je tire mon chapeau, je veux le dire comme ça, dans ce contexte difficile, au formidable travail d'anticipation et de cohésion qui permet à notre CHU de tenir et également de faire tenir tout le département. Et même de venir en appui à l'hôpital de Nevers, qui manque cruellement de médecins. J'en profite pour exprimer tout mon soutien au maire de Nevers, qui recherche des solutions innovantes pour faire face. Nous pouvons, nous devons le faire, car nous prenons conscience que cette question est une question majeure. Sans transition, je me dois de souligner que cette période très difficile du Covid a eu le mérite, si j'ose dire, de rappeler le rôle majeur des collectivités territoriales dans notre vie quotidienne. La ville, la commune, le CCAS, la métropole se sont mobilisés de manière exemplaire pour répondre aux besoins de tous et pour maintenir un service public de qualité. Le service public, c'est une grande fierté, c'est notre patrimoine commun, c'est notre patrimoine républicain et démocratique, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas, a-t-on coutume de dire, mais c'est tellement vrai. Que tous ces acteurs soient remerciés pour leur travail. Alors voilà, vous le savez, nous le savons tous, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, c'est ainsi. Il y a des épreuves, il y en a eu, il y en aura d'autres. Et le rôle de la puissance publique, c'est d'agir pour éclaircir l'horizon, pour permettre de résister, de tracer une route et d'aller de l'avant, pour donner réalité à l'espoir qui est finalement, pour paraphraser Simone Veil, le seul remède aux douleurs du monde. S'adapter, faire preuve de courage et donner toute la place et toute sa place à la bienveillance, à cette convivialité à laquelle je vous invite ce soir comme un temps à partager ensemble. Je suis profondément heureux que nous soyons tous rassemblés ce soir, très nombreux, plusieurs milliers pour cette année 2023. Je vous la souhaite bien évidemment nourrie de bons moments et de projets. J'associe à ces vœux toute mon équipe et tous les élus de la ville de Dijon et du conseil métropolitain. Ils y sont presque tous, ils sont presque tous présents là autour de moi, je les en remercie. J'y vois un signe d'une unité et de l'énergie commune que nous mettons ensemble au service des 260 000 habitants de la métropole et de l'intérêt général. Bref, au service d'une communauté de destin qui porte bien au-delà des sensibilités politiques différentes que nous pouvons avoir. J'espère sincèrement que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. D'abord, avec vos proches. Les plus âgés ont pu bénéficier du traditionnel colis de Noël ou du repas organisé par la ville. Ils étaient plus de 3000 qui n'avaient pas pu se tenir ces deux dernières années. J'espère que vous avez apprécié, en famille ou en amis, bien sûr, ou entre amis, les illuminations de Dijon ou de vos communes. Le marché de Noël, la grande roue, la patinoire, les manèges, le spectacle son et lumière. Je ne sais pas si vous avez vu à quoi ressemblait la place de la Libération à Dijon le 24 décembre au soir, monsieur le préfet, mais c'était impressionnant, toute cette foule. Impressionnant, cette foule familiale rassemblée pour la traditionnelle descente du Père Noël. La place de la Libération était bondée de monde. On m'a dit qu'il y avait plus de 6000 personnes. Car j'ai à cœur, et je ne suis pas le seul, que chacun puisse profiter des fêtes de Noël à tout âge. Vous avez peut-être, les uns ou les autres, participé au Téléthon qui s'est déroulé début décembre et qui a réuni un public nombreux et enthousiaste. On a vu quelques images dans le centre-ville afin de soutenir cette noble cause. Bref, le mois de décembre à Dijon et dans toute la métropole n'a pas été avare de bons moments, même si nous avons réduit la voilure pour prendre en compte une nécessaire sobriété, sans gâcher la fête, bien sûr, il ne pouvait en être question. L'envie, c'est de se retrouver là, de partager, c'est un bon signe. En ce début d'année, mon vœu le plus cher est que nous sachions ensemble nous montrer à la hauteur de la situation, à la hauteur des attentes d'un monde qui, à bien des égards, penche du côté sombre. L'Ukraine, l'Iran, l'Afghanistan, ces hommes et ces femmes courageux, ces femmes courageuses surtout, prêtes à tous les sacrifices pour la liberté, prêtes à risquer la prison, la torture ou leur vie pour une mèche de cheveux, pour un voile qu'elles ne veulent plus porter. Mesdames et messieurs, la religion ne saurait justifier des horreurs comme celles commises par ces mots-là. Nous avons à leur égard
ces femmes et ces hommes le devoir impérieux de chérir notre République et de faire vivre sans relâche les valeurs de fraternité, de liberté d'opinion, d'expression, bien sûr, de laïcité, qui sont l'essence même de notre démocratie. Comme le veut notre tradition locale, c'est une tradition, sont installés au premier rang, devant moi, les enfants du conseil municipal, les enfants de Dijon, les jeunes élus sortants et aussi les nouveaux jeunes élus. Et je veux commencer, si vous le permettez, par m'adresser à eux. Je veux, chers enfants, que nous sachions, nous, nous tenir à votre hauteur, à la hauteur de vos attentes, de celles de toutes les jeunesses, de ce que nous avons à vous offrir et peut-être plus encore de ce que vous avez à nous apprendre. Ce qui m'importe le plus avec vous, avec toutes les générations, c'est que nous sachions vivre ensemble, dans la multitude de nos origines, de nos centres d'intérêt, de nos points de vue, de nos âges. La République est forte, n'ayez crainte. Elle n'a pas à craindre la diversité, à condition que nous ne soyons pas craintifs nous-mêmes. Comme le disait Voltaire, il est honteux que les fanatiques aient du zèle et que les sages n'en aient pas. Le rassemblement tient une place importante dans ma conception de la société. Il n'est pas facile, vous le savez, d'être jeune aujourd'hui. Les crises, l'inflation, la guerre, mais l'espoir est un puissant moteur auquel il ne faut rien céder, ni jamais renoncer. Je tiens à saluer l'engagement de ces jeunes, souvent encouragés par leurs proches, qui font le choix de s'investir pour leur ville et leurs camarades. C'est pour eux que nous sommes là, finalement. Pour eux, je souhaite d'ailleurs aussi que Dijon puisse poursuivre sa transformation et son développement, notamment tourné vers la protection de l'environnement, qu'elle renforce sa place de capitale régionale, agréable et douce à vivre, à taille humaine, proche de la nature et accessible, qu'elle porte haut notre ville et notre métropole, les valeurs de la solidarité, de l'éducation, de l'émancipation, et que notre ville leur offre ainsi un avenir. À cet instant, je souhaite évoquer un problème qui me tient à cœur et qui concerne le CROUS. Dijon a besoin de tout le soutien de la région pour ses étudiants. Au niveau de la restauration scolaire, au niveau du service social, ce que nous avons à Dijon, ce que nous voyons à Dijon, meurt profondément quand je vois des files d'étudiants qui attendent sans pouvoir accéder au restaurant universitaire. 40 000 étudiants et seulement 2 restaurants universitaires. Cette situation sur le CROUS m'apparaît indigne et je compte sur le CROUS, sur la région, sur vous, Madame la Présidente, bien sûr avec la métropole, pour remédier à cela. Vous le voyez, la réalisation de nos ambitions suppose d'entretenir cet ensemble que nous formons. Ensemble, bon, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, c'est une plaisanterie, mais c'est le mot que j'ai choisi pour cette nouvelle année 2023. Ensemble avec la ville de Dijon, ensemble avec la métropole, avec les institutions, avec les entreprises, avec les commerces, les associations et les citoyens, ensemble avec vous tous ici présents. L'avenir doit se construire dans cet état d'esprit, en favorisant le travail collectif pour améliorer encore les conditions de vie à Dijon et dans notre métropole. Vous l'avez certainement vu, le classement annuel Arthur Lloyd nous classe cette année comme la première des grandes villes métropoles françaises pour la qualité de la vie. Nous étions au troisième, peut-être nous le reviendrons demain. En tout cas, nous sommes sur le podium et c'est cela qui m'importe. Si nous avons cette place, ce n'est pas le hasard, c'est parce que nous nous y employons. J'ai adressé ce matin même, ici, mes vœux aux 3000 agents municipaux et métropolitains qui œuvrent chaque jour pour rendre service. À l'hôtel de ville et dans les 5 mairies de quartier de Dijon, dans chacune de nos 23 communes, dans les bibliothèques, les théâtres, les musées, les salles de concert et d'opéra, au CCAS, dans les points d'accès aux droits, les équipements sportifs ou encore l'espace public, propreté, police, petite enfance, urbanisme, transport, éducation et j'en passe. Ils représentent plusieurs centaines de métiers différents, nécessaires et utiles à la gestion de cet ensemble que nous formons. Certains sont avec nous ce soir, des services, je les salue en votre nom et à travers eux, j'adresse un salut amical au directeur général des services. Je remercie tout le personnel du service municipal et métropolitain et nos entreprises délégataires de services publics, je ne les oublie pas. Pas toutes. Bien sûr, notre collectivité n'est pas seule.
Je le disais il y a un instant, institutions, entreprises, associations, commerce, nous formons un tout au sein duquel chacun a sa place. Il y a deux semaines, tout juste, nous inaugurions en présence du ministre de la Santé le laboratoire Genesis de l'entreprise Urgo, engagé dans un immense projet de création de peaux artificielles. Je vous en avais parlé l'année dernière, c'est désormais en route, et c'est dans notre métropole que ces recherches sont effectuées, et non à Détroit ou à Chicago. Une preuve parmi d'autres qui témoigne du rôle très important des entreprises locales, qui sont pour certaines d'ailleurs locales et internationales, dans le rayonnement de notre territoire et toutes les importances des acteurs de notre système de santé, qui s'appelle Santénov. Il compte à Dijon, à Chenôve, à Quetigny, à Chevigny, plus de 4000 emplois et quelques-unes des entreprises les plus performantes du monde. J'ai cité Urgo, mais j'aurais pu mentionner Adex Pharma ou Astrea Pharma, Crojet, Proteor ou Oncodesign, ou encore le centre de soins et de recherche anticancéreux Georges-François Leclerc, dont je salue amicalement le directeur qui est avec nous présent ce soir. Il y en a beaucoup d'autres, et je les associe bien sûr à cette belle dynamique de l'excellence métropolitaine. C'est grâce à cette dynamique commune que Dijon et la métropole jouent la course en tête. Cette dynamique, elle trouve sa traduction dans notre croissance démographique. En une vingtaine d'années, mesdames et messieurs, la ville de Dijon est passée de 149 000 à 162 000 habitants, et la population totale de notre métropole s'élève désormais, au 1er janvier 2020, donc nous sommes déjà plus loin, à 261 901 habitants d'après l'INSEE. Pour ceux qui en douteraient, je l'affirme avec force, c'est une très bonne nouvelle. Cela montre que Dijon a la cote et qu'elle attire. Je suis fier d'ailleurs d'accueillir de nouveaux habitants venus de toute la France, particulièrement de grandes villes, en quête d'un peu plus de sérénité, souvent à la recherche d'un cadre de vie propice à l'épanouissement de la famille. À Dijon, la qualité de vie n'est pas un leurre, mais une réalité. Nous avons un très bon niveau de service et d'équipement, nous sommes proches de la nature, nous avons de l'espace, nous avons des arbres et nous continuerons d'en planter. D'ici la fin de l'année, nous compterons 82 000 arbres ou arbustes. C'est plus que l'objectif de 50 000 que nous nous étions fixés pendant la campagne électorale. Nous avons créé une micro-forêt qu'on appelle Miawaki à Épiray, et une autre est en cours de plantation sur le terrain des Verriers dans le quartier Chevreuil Park. On a renforcé aussi l'opération métropolitaine maintenant de la forêt des enfants sur le plateau de l'Acra, et je me félicite de son succès très familial. Plateau de l'Acra qu'on a sauvé de l'urbanisation. Dans chaque quartier, il y a un parc pour se promener, pour jouer avec ses enfants. À Dijon, toutes les places, sauf une, ont de l'eau, des arbres ou les deux. Nous allons encore développer cela. Les nouveaux habitants, ils viennent aussi ici, à Dijon, dans la métropole, pour trouver un emploi dans un environnement dynamique. Il y a tout ce qu'il faut pour vivre heureux et à tous les âges. Une riche offre culturelle. Nombre d'acteurs culturels sont ici présents ce soir, je les en remercie. Et sportifs, ils sont aussi là. Un réseau de transport en commun parmi les meilleurs de France. Un taux de chômage particulièrement bas. Un commerce de qualité avec une vacance commerciale particulièrement faible. Des entreprises petites, moyennes et grandes innovantes. Et une forte poussée vers l'international. Le choix qu'a fait l'OIV, l'Organisation internationale de la vigne et du vin, à l'unanimité des 48 pays membres, d'installer son siège à Dijon le prouve. Ce n'est pas fréquent, je me permets de le dire, qu'une grande organisation internationale se délocalise ainsi de Paris pour venir s'installer, comme on le dit de manière un peu péjorative à Paris, en province. Dijon est une ville agréable à vivre, propre aussi, me dit-on souvent, propre et propice aux opportunités professionnelles. Tout comme vous, Madame la Présidente de Région, je ne peux me satisfaire du fait que notre région perde des habitants. Eh bien, c'est une fierté pour moi de constater la contribution positive de notre capitale régionale, tout comme celui, moindre en proportion mais réel aussi,
de la communauté urbaine de Besançon. Dans toute la France, mais en Bourgogne-Franche-Comté, plus encore que les autres régions, les grands pôles urbains attirent. Mais surtout, ne les accusez pas de dépeupler les campagnes. Ils n'y sont pour rien. Ça n'est pas notre faute si les villes comme Châtillon ou Beaune perdent des habitants. Et comme j'ai entendu le sénateur Patria le dire régulièrement, ce n'est pas parce que nous serions plus pauvres que les autres en seraient plus riches. Madame la Présidente, si je ne m'étais pas battu pour cela, et vous le savez, avec mes propres amis politiques il y a quelque 6 ans, notre région serait la seule dont la capitale ne disposerait pas du statut de métropole. Imaginons aujourd'hui une région sans métropole, et bien je crois que nous avons eu raison de le faire. J'aimerais que vous en soyez tous convaincus, cela me semble essentiel pour toute notre région. À Dijon, sachez-le, l'économie va bien. Le bilan commercial et culturel de la saison d'été a été excellent. Les enquêtes menées auprès des commerçants attestent de chiffres d'affaires redevenus pour beaucoup au niveau d'avant Covid. La métropole dijonnaise, qui comptait au troisième trimestre 93 700 salariés privés, a créé 1430 postes depuis un an. C'est-à-dire que nous sommes à un niveau plus élevé qu'avant la crise. La proportion est même plus importante dans le secteur du commerce. Très sincèrement, vous le savez, c'est une chance de vivre ici, et pas seulement parce que nous sommes bien placés géographiquement. Je ne sais pas si vous le savez tous, mais Dijon est l'une des rares villes connues pour sa taille, mais aussi où la qualité de l'air est bonne, voire très bonne. C'est important de le dire. Et si la loi nous impose de créer une zone à faible émission, nous le ferons. Ben, nous le ferons quand il sera temps. Mais ça sera moins difficile qu'ailleurs. Parce que, d'abord, les autres grandes villes l'auront fait avant nous, on pourra en tirer profit, et que nous avons, par ailleurs, l'une des meilleures qualités de l'air en France, parmi les métropoles. Grâce à un immense plateau piétonnier de notre centre-ville, grâce au tram, bien sûr, grâce à notre grand engagement pour la transition écologique, j'y reviendrai. Dijon est aussi, je l'ai dit tout à l'heure rapidement, très propre. Mais nous avons de nombreux parcs et jardins, sans parler des combes et des forêts. Nous avons, nous l'avons vu, un très bon niveau de transport, des pistes cyclables qui se développent et continuent de se prolonger. Nous en sommes à 338 km de voies aménagées dans la métropole. Je rappelle qu'il y a 20 ans, les plus anciens s'en souviennent, les plus jeunes ne peuvent pas, mais les plus anciens s'en souviennent, Dijon avait eu le clou rouillé. Le clou rouillé, c'était la récompense qu'on remettait à la ville qui avait le moins de kilomètres de pistes cyclables. Vous voyez le chemin que nous avons parcouru. Et personne ne peut le nier. Nous disposons de grands espaces culturels et sportifs que nous entretenons. La rénovation du Grand Théâtre se poursuit. Nous poserons dans quelques jours la première pierre de la nouvelle base nautique du lac Kyr. Et dans la continuité du stade Trimolet, le terrain du centre sportif métropolitain de Saint-Apollinaire a lui aussi été rénové. Les travaux de l'échangeur d'Aïli, je viens de l'apprendre, monsieur le préfet, démarreront, je le sais, le 16 janvier. Puis, c'est très important pour notre ville et notre métropole, notre offre de formation supérieure continue de s'étendre avec des grandes écoles qui s'installent dans le territoire. L'Université de Bourgogne a fêté ses 300 ans. Je veux saluer ici son président et lui redire notre confiance. Et saluer également toutes les équipes d'enseignants et de chercheurs. Il y a aussi BSB, notre école de commerce, notre grande école de commerce, qui a été développée en lien avec la CCI. Il y a aussi Sciences Po, il y a l'École nationale supérieure d'art, nos deux écoles d'ingénieurs, l'École supérieure des travaux publics et l'École supérieure d'électronique, mais aussi les IREM, mais maintenant Ferrandi, qui va encore s'agrandir, sans oublier ni l'École supérieure de musique, ni l'École de gendarmerie. Je salue les gendarmes qui sont présents aujourd'hui en leur grade et qualité, ni l'École de gendarmerie d'ailleurs, qui est maintenant, on peut le dire, j'ai le droit de le dire, la plus importante de France. Ni l'arrivée d'une nouvelle unité de formation, tant réclamée en odontologie et dont Jean Castex avait fait l'annonce il y a tout juste un an. Bref, de quoi satisfaire les étudiants, je l'ai dit, qui sont désormais plus de 40 000 et seront, eh bien, dans les 5 ans qui viennent, plus de 45 000.
Nous lancerons donc en 2023 un nouveau projet intitulé Campus 2, à côté de deux écoles d'ingénieurs entre le CHU et l'université. Il est destiné à accueillir une école qui est déjà présente sur notre territoire, mais en pleine croissance, le CESI, et des espaces pour jeunes entreprises liées à la santé. Tout cela est en cours de négociation et de bouclage. Mesdames et messieurs, c'est une chance de vivre au sein d'un territoire qui bouge, qui innove, qui s'engage, qui investit pour l'avenir et la connaissance. Plus de 180 millions d'euros en 2023, à la fois pour la ville de Dijon et la métropole, un territoire profondément animé par la volonté d'entreprendre et par une certaine audace, voire une audace certaine. J'ai vu que ce mot avait été repris fort justement par le président de la République. Eh bien, je ne reviendrai pas sur l'ouverture de la Cité internationale de la gastronomie et du vin, qui aura marqué l'année 2022. Vous étiez, pour beaucoup d'entre vous, présents le 6 mai dernier pour vivre ce grand moment de fête, ensemble. Quel beau moment d'émotion, après 10 ans de travail, de sueur froide, de recours perdus par nos opposants, ceux qui sont encore aujourd'hui ici et qui peinent des fois à se réjouir de son succès. Oui, son succès, car 450 000 visiteurs, mesdames et messieurs, peut-être bientôt 500 000, et des Dijonnais en nombre. Et ce, malgré le fait que le cinéma, jusqu'alors, n'a pas encore joué le rôle que nous espérions. Cela devrait changer, et je remercie le PDG de Pathé, suite à notre entrevue, d'avoir accepté de rectifier le tir, il fallait, sur le prix des places, comme je lui ai demandé. Je ne dis pas que tout est parfait, il y aura encore des améliorations à apporter, bien sûr, mais cette cité est bel et bien devenue une destination incontournable, un nouvel emblème de notre capitale régionale. Un ancien président de la République a même osé dire, le 6 mai, que la cité avait donné à Dijon le statut de capitale du monde. Exagère-t-il ? Je ne sais pas. Il paraît qu'il est connu pour ses bons mots. Et j'espère d'ailleurs que ce n'est pas seulement à cause de ses bons mots qu'il a 47% de bonne opinion aujourd'hui. Bref, la cité fait partie des réalisations dont nous avons toutes les raisons d'être aujourd'hui particulièrement fiers. Elle est inscrite dans l'histoire contemporaine de Dijon, reliée à sa grande histoire par le 1204. Le 1204, c'est le centre d'interprétation et l'architecture et du patrimoine qui connaît un grand succès. Tout comme l'implantation en 2022, je l'ai rapidement évoqué, de l'Organisation internationale de la vigne et du vin après son déménagement de Paris à Dijon. Je salue son directeur qui est présent parmi nous et toute l'équipe récemment installée à Dijon. Ils sont comme vous tous, bien sûr, je n'en doute pas, parmi les premiers des 16 500 signataires à ce jour de la pétition que j'ai lancée en décembre dans le but de faire comprendre à la SNCF que oui, à Dijon, en métropole, nous préférons le train et que le rétablissement de la ligne TGV Dijon-Montbard, Marne-la-Vallée, Roissy-Charles-de-Gaulle, Lille est une nécessité. Cette ligne, mesdames, messieurs, bien entendu, madame la présidente, elle vient de Besançon, je n'oublie pas. Et lors des premières démarches, j'y avais associé, bien sûr, madame la maire de Besançon. Je propose que tous ensemble, encore plus fort, par nos applaudissements, nous démontrions notre grande détermination sur ce sujet. Je ne voudrais pas, cher Marie-Guide, du fait que la capitale de cette belle région que vous présidez aujourd'hui soit avec ses entreprises, ses organismes internationaux, avec sa renommée touristique. Je rappelle que nous avons plus de 3 millions de touristes chaque année. Avec ses 4 000 étudiants internationaux, la seule de France, je dis bien la seule de France, à ne pas être reliée directement à un aéroport international. J'ai un rendez-vous dans les tout prochains jours avec le président de la SNCF et demain à 18h30, je rencontre le ministre des Transports. C'est pour moi une vraie bataille et il faut la gagner. Et cette ligne existait, elle a été suspendue, elle doit être rétablie. Voilà.
à défaut de pouvoir mesurer pleinement la réalité de notre statut de capitale du monde, une chose est sûre, c'est que nous sommes reconnus comme un territoire leader en matière de transition écologique et énergétique. Nous n'avons pas fêté en 2022 les 10 ans du tram comme nous l'aurions dû, à cause du conflit social que vous connaissez et des grèves. Mais le tramway, reconnaissons-le, a révolutionné nos déplacements à l'échelle de la métropole. Avec environ 100 000 voyageurs transportés par jour, il est reconnu comme l'un des plus performants d'Europe, si on compare bien sûr le nombre de voyages au nombre d'habitants. 2023 sera donc l'année du lancement des études pour son extension au sud et peut-être à l'est. Les études nous diront ce qu'il faut faire. C'est l'une des pierres angulaires, avec la question de l'énergie renouvelable, de notre engagement ferme et résolu pour la transition écologique. Et c'est cet engagement qui justifie sans doute que Dijon Métropole ait été retenue, ça ne se sait pas beaucoup, je ne sais pas pourquoi, pour être l'une des 100 villes européennes, villes neutres pour le climat et intelligentes, à travers un grand projet, Response, en cours de déploiement à Fontaine-Douche. Bourreau d'enfants. Les enseignants et les enfants de l'école Buffon ont fait il y a quelques jours leur rentrée dans une école entièrement rénovée, dans le cadre de ce beau projet d'écologie urbaine au sens le plus noble, c'est-à-dire au sens social, et nous allons continuer. Nous devons nous féliciter de toutes ces bonnes nouvelles, de maîtriser notre politique de l'eau et de l'assainissement grâce à Audivea, ce qui, soit dit en passant, nous a permis de baisser le prix de référence du mètre cube pour une très large partie des 260 000 et quelques habitants de la métropole. À cet instant, je tiens à corriger des phrases qu'on entend, ce qu'on appelle aujourd'hui, tout le monde comprend ce que je veux dire, des fake news. On nous dit, oui, mais vous vous développez en population, alors évidemment, vous allez consommer plus d'eau, etc. Eh bien, sachez aujourd'hui qu'avec 12 000 habitants supplémentaires sur la ville, plus exactement, aujourd'hui, on doit être à 14 000, et puis autant sur la métropole, eh bien, nous consommons moins d'eau aujourd'hui, moins d'eau, qu'il y a 10 ans. Comme quoi nous pouvons encore croire à notre capacité à évoluer, même avec une croissance, à condition que cette croissance soit une croissance sûre, qui préserve bien évidemment l'avenir écologique de nos territoires. Nous avons aussi un réseau de chaleur urbain de 130 km qui est alimenté par des énergies renouvelables, qui permettent de limiter, si ce n'est de réduire, les factures d'énergie. Demain, nous produirons de l'hydrogène vert à partir de l'électricité issue du turbo-alternateur de l'usine de valorisation énergétique des déchets et qui permettra d'alimenter nos bennes à ordures et nos bus urbains. Je le rappelle, l'économie en jeu représente 1750 tonnes de CO2 chaque année, soit l'équivalent de 24 millions de kilomètres parcourus en voiture. C'est un projet très audacieux, voilà l'audace, qui prend un peu de retard, il faut le reconnaître, et qui comporte des risques. Certains nous le reprochent, là encore. Les mêmes étaient sceptiques sur le réseau de chaleur, il y a 20 ans, ou sur le tram, il y a 10 ans, ou sur la piétonnisation du centre-ville. Un autre grand projet de la ville et de la métropole concerne le remplacement des points lumineux pour économiser l'énergie. Avec On Dijon, 19 000 lampes sont déjà remplacées par des LED de basse consommation. Et chaque année, nous en changerons 6 000 supplémentaires. Et en faisant cela, non seulement nous préservons la planète, mais également nous faisons des économies. C'est cela qui est gagnant-gagnant. Nous allons économiser plus de 3 millions d'euros de dépenses de consommation par rapport à celles que nous connaissons. Je pourrais vous parler, j'en parlais tout à l'heure, de notre projet photovoltaïque sur tous les grands parkings. Nous commencerons par celui du Zénith, mais aussi de la poursuite de l'aménagement des pistes cyclables, comme récemment celle qui relie le centre-ville de Longvie et le parc de la Colombière. Je pourrais vous parler de la rénovation des écoles, de la désimperméabilisation des cours, dans le cadre d'un programme d'investissement de 75 millions d'euros pour les écoles dijonnaises. Ce programme s'appelle Ambition éducative 2030, pour adapter les bâtiments aux risques climatiques, pour améliorer le confort
des élèves et de toutes les équipes éducatives. Je pourrais vous parler de nos projets de méthanisation des boues, de la modernisation du centre de tri. Nous avons encore de grands projets. Ils ne manquent pas, soyez-en persuadés. Tous les exemples que je viens de citer concourent à l'attractivité de notre territoire, comme la modernisation, c'est notre responsabilité, du parc des expositions et du palais des congrès. En centre-ville, je dis bien en centre-ville, il en fera partie. Je n'ouvre pas le sujet de la décision que j'ai prise de reprendre en régie sa gestion. Mais je rappelle que le parc des expositions au palais des congrès est une propriété de la ville de Dijon, que la foire est une propriété de la ville de Dijon et que la création d'un bureau des congrès fait partie de nos grands projets prioritaires pour le tourisme. Bref, je suis ravi de vérifier que Dijon et la métropole attirent, qu'elle rayonne, y compris en Côte d'Or, et je n'ai pas l'intention de ralentir l'ambition. Mais toutes ces avancées, toutes celles qui nous restent à accomplir, mesdames et messieurs, elles ne peuvent, chers amis, elles ne peuvent se réaliser sans confiance. Et cette confiance, elle nous profite à tous depuis maintenant plus de 22 ans. Je vous avais fait en 2020 l'éloge du temps long. Je ne vais pas recommencer, quoique, on ne sait jamais. Hein. Nous avons tous le même souhait et nous concourons à ce grand objectif dans nos fonctions respectives, que Dijon soit une ville où il fait bon vivre. C'est ce à quoi je me suis engagé avec mes équipes depuis le début, pour Dijon, pour vous, et j'ai l'habitude de tenir mes engagements. J'ai bien conscience aussi que tout n'est pas parfait. Je mesure les difficultés et les inquiétudes des habitants. Je sais que la sécurité et la tranquillité publique sont un sujet de préoccupation importante. Sachez que cela fait partie de nos priorités et que nous faisons le maximum à notre échelle. Ce qui s'est passé à l'automne, place de la République, n'est pas admissible. Je salue ici, et je le dis très haut et fort, je soutiens la décision du préfet de fermeture anticipée des bars de nuit, c'est-à-dire, ne l'oublions pas, à 2h du matin quand même. Nous avons renforcé la surveillance des squares et l'éclairage public, et la police municipale en charge de la tranquillité publique mène des opérations conjointes avec la police nationale. L'augmentation des effectifs de police municipale se poursuivra. Mais la sécurité publique des personnes et des biens relève des compétences régaliennes de l'État. Je sais, monsieur le préfet, que vous êtes à la manœuvre et fortement impliqué à nos côtés sur ce sujet depuis votre arrivée. Je voulais vous en remercier publiquement, comme je tiens à travers vous à remercier le ministre de l'Intérieur pour les décisions fortes qu'il a prises pour notre territoire cette dernière année, avec le renforcement des effectifs et tout dernièrement encore, fin novembre exactement, vous le savez, avec l'annonce de la création d'une police des transports et l'arrivée de 60 à 90 policiers supplémentaires à court terme. Dijon a toujours été réputée comme une ville paisible, je le dis ici, elle le restera. Je mesure également... Et bien évidemment, je dis Dijon, mais ça concerne toute la métropole, je le sais aujourd'hui. Je mesure également les inquiétudes concernant les besoins de logement, celles qui concernent l'inflation, le prix de l'énergie, la guerre en Ukraine, cette situation terrible qui nous a pris de court. Personne n'aurait effectivement cru possible de voir à nouveau, aujourd'hui, la guerre aux portes de l'Europe. Elle ravive des souvenirs douloureux dont nous aurions tort de sous-estimer les risques qu'ils représentent aujourd'hui. Et encore une fois, je voudrais tous vous remercier, Dijonnais, habitants de la métropole, pour l'élan de solidarité et de générosité incroyable dont vous avez fait preuve avec les associations dédiées pour venir en aide aux réfugiés. Je suis fier de constater que cette solidarité perdure, qu'elle est une valeur indéfectible, pas seulement avec les Ukrainiens d'ailleurs. Il est notre devoir de soutenir autant que possible les populations en danger. Dijon est profondément solidaire. Elle est européenne et le sera toujours. Ma rencontre, juste avant Noël, avec l'ambassadeur d'Ukraine en France, a été particulièrement bouleversante. J'ai tenu en votre nom à lui réaffirmer le soutien de notre ville et de Dijon Métropole avec le peuple ukrainien. Nous sommes européens et ce souffle européen est pour les Ukrainiens
une raison de se battre et de vivre, ou plutôt de survivre. J'ai à cette occasion rencontré un homme fatigué, épuisé d'ailleurs, qui par tous les moyens cherche à arrimer son peuple à l'Europe avec la profonde conviction que c'est l'Europe qui donnera un avenir à son pays et à la paix. Il m'a invité à venir à Kiev. Je ne ferai ce déplacement que s'il est utile. Peut-être peut-on soutenir l'espoir des Ukrainiens. Peut-être, Madame la Présidente, que nous pourrions d'ailleurs, s'il le souhaite bien sûr, nous y rendre ensemble, puisque vous avez exprimé le souhait d'engager notre région Bourgogne-Franche-Comté auprès d'une région ukrainienne. Dijon, Madame et Messieurs, aime l'Europe, 2023, c'est maintenant. Je regarde si j'avais un verre d'eau. Alors, j'ai une bouteille. Mais si, il y a un verre. C'est exceptionnel. D'habitude, je bois au boulot. Je fais une pause, hein, vous me permettez. Je vous disais que nous aimions l'Europe. Effectivement, je n'oublie pas qu'en 2023, nous signerons plusieurs anniversaires, nous fêterons plusieurs anniversaires de partenariats, 70 ans avec la ville anglaise de York, 65 ans avec Mayence, 5 ans avant le traité de l'Elysée et 60e anniversaire avec Reggio di Emilia. Mesdames et messieurs, dans ce monde effrayant, à de nombreux égards, mon choix, je suis sûr le vôtre aussi, c'est celui de l'espoir, de l'optimisme et de l'action. Certes, 2022 se termine, je le dis, avec l'escalade des conflits sur la planète, la répression cruelle des femmes, des peuples qui réclament le droit de vivre librement, la récession qui menace. Mais la réponse, la seule, c'est de faire face. C'est d'invoquer la solidarité, la fraternité et de construire notre avenir au sein d'une Europe forte. L'avenir, c'est ce qui nous reste à vivre ensemble, dit toujours l'un de mes chers amis. Eh bien, en 2023, il ne peut être question de se dérober. Je dirais même, il ne peut être question de battre en retraite, si vous voyez ce que je veux dire. À Dijon, nous serons sur tous les fronts. Celui de l'alimentation, avec l'inauguration au printemps de notre légumerie métropolitaine. Cette légumerie est un des volets de notre grand projet pour l'alimentation durable et de qualité, intitulé Prodige, dont le pilote est Philippe Lemanceau, vice-président de Dijon Métropole et des grandes compétences qu'il a développées dans sa vie de chercheur et de dirigeant de l'une des grosses unités de recherche de l'INRAE. Je salue au passage la présidente de l'INRAE, que je remercie de sa présence. À Dijon, nous sommes très attachés à la recherche. Nous croyons en la science comme source de progrès. Et le travail mené au sein de l'INRAE, je voudrais le dire ici, est tout à fait remarquable. C'est ensemble, avec l'INRAE, que nous lançons des expérimentations dans les établissements de restauration scolaire, au CCAS, en testant auprès de 200 personnes des chèques alimentaires dédiés à la consommation de fruits, légumes et légumineuses pour des gens qui ne peuvent pas se les offrir. La légumerie, j'y reviens, c'est un équipement crucial qui permettra de structurer la filière de production locale pour la restauration collective que les enfants aiment tant. Vous l'avez peut-être lu dans notre excellente presse locale, qui s'en est fait le relais. J'ai proposé au département de s'associer au projet de la métropole, puisque nous en avons la capacité et d'économiser ainsi le coût de construction d'une seconde légumerie redondante avec notre projet. Cette main tendue a été refusée pour le moment. Je le regrette. Et je pense que d'évoquer le sujet permettra à tout le monde de revenir à la table des négociations, si vous voyez ce que je veux dire. Nous verrons. Nous serons aussi sur le front de la viticulture à travers la reconquête du vignoble et le chemin vers une appellation qui sera Bourgogne-Dijon, engagée par un groupe de viticulteurs avec le soutien de la métropole. Nous serons aussi sur le front du logement, autre sujet très important. Et malheureusement, parfois polémique, à Dijon comme ailleurs dans toutes les grandes villes. Vous savez, les citadins, que vous êtes pour la plupart d'ailleurs, ont souvent des aspirations très contradictoires, car ils souhaitent bénéficier de tous les avantages de la ville,
et de ceux de la campagne en même temps. Et les mieux logés, bien sûr, ne se rendent pas compte du tout de l'état de besoin de notre pays en logement. Alors, pour construire, il y a deux manières de faire. Soit on étale les logements, soit on densifie. Clairement, à Dijon, pour préserver la nature, la biodiversité et pour faire œuvre écologique, notre option est celle de la densification raisonnable. Ces dernières années, c'est seulement l'équivalent, cela ne se sait pas non plus, de 4 surfaces de terrain de foot, vous savez, le sport que j'aime, qui ont été dédiées pour la construction. C'est très peu quand on compare à d'autres communes. Vous vous souvenez peut-être qu'une poignée de contestataires professionnels, non dijonnais d'ailleurs pour la plupart, avaient tenté en 2020 d'empêcher la réalisation du projet Gardenstedt avenue de Langres par une occupation illégale. Eh bien, aujourd'hui, ce projet est entièrement commercialisé. Il faut dire que c'est un bon projet, très bien conçu et tout à fait raisonnable. Il sera bordé d'un nouveau parc dont le projet a été élaboré avec les habitants. Je rappelle que le tram passe au pied des logements. Le tout sur un terrain vague qui était inoccupé depuis 15 ans et qui avait servi de dépôt pour des terres venant pour la construction du tram. Pour moi, c'est un exemple positif de ce que la ville doit faire. Chaque jour, je réponds aux courriers d'habitants qui ne trouvent pas de quoi se loger et qui m'interpellent. Les courriers sont parfois poignants. J'ai bien conscience que personne ne souhaite avoir un petit immeuble, voire un petit immeuble se construire devant chez lui. Mais le logement, mesdames, messieurs, c'est un droit. Et à Dijon, j'entends que ce droit soit respecté pour tous. Une fois n'est pas coutume. Vous en conviendrez, j'ai été un peu long. Et ce n'est rien à côté de ce dont je serai capable pour vous parler de Dijon et vous faire partager ma confiance en l'avenir, mon refus du déclinisme, du défaitisme et de toutes ces forces lugubres et mortifères qui nous prônent la décroissance. Comment lutter? Comment faire face? Je n'ai parlé ni de culture, ni de sport, et je n'ai pas assez parlé d'éducation. C'est pourtant l'essentiel, car c'est par l'éducation, le sport et par la culture, que se construit réellement cet ensemble, ce compromis social et républicain qui guide notre projet pour Dijon. C'est à travers le sport, mais la culture et l'éducation que grandissent et se forment les citoyens responsables et éclairés, parce qu'ils incitent à la confrontation des esprits, des points de vue, au dialogue, à la solidarité et à la fraternité. Tout ce que refusent les dictatures aujourd'hui. Soyez plus attentifs les uns aux autres, plus respectueux aussi. Acceptons mieux nos différences et faisons preuve de davantage de solidarité encore avec les plus fragiles. Dijon est une ville et une métropole à vivre pour tous. Douce à vivre, certes, mais où la pauvreté, même proche de la moyenne nationale, existe aussi. Certains auront toujours les moyens de s'en sortir, pour d'autres, c'est beaucoup plus difficile. Plus de 6000 familles sont accompagnées par le service social métropolitain. Nous accordons une très grande importance aux enfants, à tous les jeunes, au savoir, ce qu'on appelle les savoirs populaires, apprendre à nager, à faire du vélo, pratiquer un ou plusieurs sports, la musique, accéder à la culture, aux loisirs, à la nature. Il me semble que tout cela doit être possible pour toutes et pour tous. À Dijon, nous nous y employons. Viendra au printemps la restitution de notre grand projet éducatif global pour les enfants et les jeunes depuis leur naissance jusqu'à 25 ans. C'est un sujet majeur pour l'homme de gauche que je suis et qui le reste, personne ne l'ignore. Vous savez, pour moi, la solidarité, c'est presque une obsession et l'égalité tout autant. Nos musées gratuits ont accueilli 450 000 visiteurs au seul musée des Beaux-Arts, près de 300 000. C'est considérable. Ils sont gratuits, mais c'est parce que c'est une conviction, même si nous n'excluons pas à terme pour certaines expositions temporaires d'avoir des tickets d'entrée. Mesdames et messieurs, cette fois-ci, je termine. Non mais vraiment, hein, il reste une dizaine de pages, mais c'est tout. Voilà pourquoi il nous faut nous rester déterminés et rassemblés. Aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès. Et voilà pourquoi je souhaite que 2023 soit une année du lien et de l'ensemble. Aussi, en m'adressant à tous ceux qui œuvrent pour cet ensemble, je conclue cette fois-ci tout à fait. Que les bénévoles de la vie associative soient remerciés. Que tous ceux qui, au cours de l'année 2022, je ne l'oublie pas, ont tenu, parce que c'est un devoir citoyen,
la tenue de nos bureaux de vote pendant 4 dimanches soit aussi remerciée. Que tous ceux qui s'engagent pour le bien commun, pour le service public, pour la cohésion de notre société soient remerciés. Que tous ceux qui œuvrent pour notre protection et pour la paix soient non seulement remerciés, mais acclamés. Alors voilà, ça se termine. Belle et heureuse année à toutes et à tous. Santé, fraternité avant toute chose. Vive Dijon, vive la République et vive la France. Vous avez été patient. Ah, on vous voit avec la lumière, c'est bien. On vous voit. Vous savez, normalement, il y a le verre de l'amitié. Eh bien, exceptionnellement, il y en aura un ce soir. Il faudra donc vous diriger derrière les rideaux, sur les côtés, et nous pourrons fêter ensemble l'année nouvelle. Merci.